Cathy. Oh, t'as pensé à la bouteille de vin. Tu sais que tu me sauves la vie, toi. Bon, il faut qu'on y aille, les autres vont nous attendre. Hein. Toi, on est bien assortis, je trouve. Moi, je suis comédien. Toi, tu présentes une émission de cinéma. Toi, c'est un peu le même monde, quoi. Et voilà, tout ça pour te dire que... Voilà, je... Imaginons un instant que vous êtes à sa place. Que faites-vous ? Cathy, tu m'entends ? Cathy ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, elle vient de tomber, elle va faire un malaise. Vous savez quoi faire ? Oui, plus ou moins. Madame, est-ce que ça va? Madame? Cathy, tu nous entends? Vous avez raison. Sans réanimation cardio-pulmonaire, Cathy perd 10% de chances de survie à chaque minute qui s'écoule. Il n'y a pas de temps à perdre. Si vous n'avez pas été formé aux gestes de réanimation, ne perdez pas de temps à tenter le bouche-à-bouche. Au contraire, continuez les compressions thoraciques en continu jusqu'à l'arrivée du défibrillateur ou des secours spécialisés.